On va avoir une voiture de sécurité. Oui. Alors la voiture de Francesco Mora, oui, est en difficulté. Il est parti en travers. Ça a tapé, il a arraché la roue. Il est revenu au milieu du peloton. On ne sait pas comment il a pas pu toucher. Quel choc. Et derrière, on se fait piéger du côté de Kenneth Lowe qui arrive trop vite. Et il vient taper Franck Yu. Ça tape très très fort. Oui, là, les Honda ou autres Seat sont complètement détruites. Et Francesco Mora qui va faire un petit passage par la case médecin, là, je crois, parce que clairement, il faut qu'il fasse une petite visite. Il a tapé quand même deux fois, voire trois fois, très fort. Ouais. Stefano communique troisième, juste derrière Jordi Genet, qui est dans le sillage de Robeuf.